Les gars, je transpire, mais que d'une seule aisselle. Comment ça va? Je me suis réveillée ce matin avec une petite notification me notifiant. C'est quand même bien fait, je trouve, la langue française, tu vois, genre les mots vont... Bref, j'ai appris que ma vidéo de la semaine dernière était démonétisée. What a surprise! Pourtant, j'ai bien fait attention à tout et tout. Je suis jamais rentrée. Ta mère, la p... Ta grosse daronne. Peut-être ça qui a joué en ma défaveur. Mais bon, une de plus, une de moins, j'ai envie de vous dire. Voilà quoi. Non, la vérité, ça m'a un petit peu chafouiné. Du coup, il faut que je trouve un autre moyen de gagner de l'argent. Autre que travailler, parce que bon, si j'ai décidé d'être youtubeuse, c'est pas pour rien. Je me suis souvenu qu'avant j'avais l'habitude de faire des vidéos où je grattais des tigres à gratter. Encore une fois, hein, l'action est écrite dans le mot. Et ça fait cher longtemps que j'ai pas fait ça. Je dirais même, ça fait un bail. Et la notification de ce matin m'a poussée vers cette voie. Pause à une minute pile du début de la vidéo. Et c'est quelque chose qui est super facile à vérifier. Donc jamais je vous mentirai sur ça. En tout cas, je viens avec ma plus belle tête de patate pour vous dire que plein de gens, ils me disent « Oui, mais une vidéo par semaine, c'est pas beaucoup. On voit pas assez ta personne et tout. » Problématique, pas si problématique que ça, parce qu'il y a quand même une réponse très facile à cette problématique. Pas très problématique, c'est de me suivre sur Instagram. Je fais des stories gauleries tous les jours. Limite, après, vous allez vous dire « Vas-y, elle m'a saoulé sa tête de patate, là. » Et du coup, voilà, genre, c'est super simple. Le lien est dans la bio. Merci de cliquer, de me suivre. On va faire plein de trucs rigolos, tous ensemble. Bisous. Vraiment, je vous fais vraiment des bisous, genre. Bisous. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu as mangé? Ah, t'as trouvé ta croquette d'hier? J'ai mis du gloss de pétasse. Voilà. Il me semble que la toute première vidéo ticket à gratter que j'avais faite, j'avais dépensé 20 euros, 25, bref. Ensuite, 50 euros. Sauf que je me dis, il faut quand même, à un moment donné, que ce soit en raccord avec mon évolution de YouTube Money. Du coup, là, je suis bien chaude de prendre 100 euros de ticket à gratter. Avec un petit peu de chance, aujourd'hui est le premier jour de ma nouvelle vie en tant que millionnaire, je l'espère. Autant il y a plein de choses, je me dis, franchement, je suis pas prête à aller vivre dans ma vie. Mais putain, être riche, oui. Ça, y a pas de souci, hein. Je suis prête. Moi non plus, je ne comprends pas le principe de ce haut. À chaque fois je dis putain, tu vois, je sens que c'est la journée où je vais gagner et à chaque fois je gagne pas. Et là aujourd'hui, je sens rien du tout. Peut-être le fait que je sois enrhumée, ça contribue au fait que je ne sente rien. Mais je me dis, tu vois, oh, faut tenter dans la vie des choses. Donc voilà, je vais m'empresser d'aller acheter tout ça. La vérité, c'est que j'ai déjà honte d'avance d'aller voir le monsieur du tabac et lui dire « Bonjour monsieur, je voudrais pour 100 euros de tickets à gratter. » Il y aura forcément un jugement envers ma personne de par sa personne. Donc bah écoutez, c'est parti, hein. Oui, j'en ai pas assez mis. Du gloss de pétasse. Je m'apprête quand même à donner 100 euros comme ça. Il faut se mettre dans un mood de gagnant. C'est bon. Eh, vraiment, c'est le début d'une nouvelle vie, je vous le dis aujourd'hui. Aujourd'hui, je deviens riche. Voici mon petit OOTD française des jeux. Prêt à rafler un max. On ne juge pas le bazar. Vous avez eu l'opportunité, je dirais même l'honneur, de voir mon appartement rangé dans la dernière vidéo. Contentez-vous un petit peu de ce qu'on vous donne. Moi, je vous donne ça, vous prenez ça. Oui, bah du coup, j'ai pas pu faire le mime correctement puisque je vous tiens avec la caméra. On reprend. Je vous donne ça, vous demandez ça. Non, c'est pas ça le truc. Bon, bah c'est parti. A tout de suite. Je vais vous prendre des tickets grattés, s'il vous plaît. Je vous en prends pas mal. Hein. Des fois 20, 4. Numéro 4. Enfin, fois 20, 4 fois 20. Okay. Je vous prends un astro, sagittaire, scorpion, poisson, balance, 4 blackjack. 4 Vegas s'il vous plaît, 2 millionnaires, 2 cash, 2 jackpots, 1 méga mot croisé, 98. Un goal et un banco s'il vous plaît, comme ça fait 100. Le mec derrière il a dû se dire mais c'est qui cette meuf là, 20 ans déjà accro au jeu. Par contre il a mal compté, donc j'ai payé 106 euros. Je suis un peu chafouin. Les gars je transpire mais que d'une seule aisselle. Je suis passée à la boulangerie. En ce moment, je bois qu'une seule chose, du jus de pomme avec de la framboise. Succulent. Ça succule dans mon corps. Oh, j'adore. Ouh. J'espère que vous croyez en moi quand même. Je trouve que ça se moque beaucoup dans les commentaires. Mais je transpire tellement de cette aisselle. Je suis sur deux salles de ambiance, genre été, hiver. Sauf que là, on est clairement en été. J'ai pris deux trucs parce qu'à chaque fois, je sais pas quoi choisir. Du coup, je prends les deux. Mais quand j'arrive chez moi, du coup, je sais toujours pas quoi choisir. Alors, soit j'ai tartelette framboise, autrement dit mon dessert favori. À mon mariage, j'aurai ça. Si t'aimes pas, bah t'es pas invité. Et non, c'est ça que je vais prendre. Oh, je l'ai cassé. Une tarte crumble fruits rouges. Crumble fruits rouges sur une tarte. Je crois que j'ai rien d'autre à dire, quoi. Comme de la frangipane, tu vois. Mais avec des fruits rouges. Ça se voit que j'aime la framboise et les fruits rouges. J'espère que oui.
Oh, j'adore. Il me faut un gratte-gratte. J'ai un gratte-gratte Carrefour. On va commencer par du lourd. Les gars, il y a des trucs, ça coûte 10 euros. 10 euros, genre le truc. Ça s'appelle millionnaire, ce que je m'apprête à être. Il me faut une table à gratte-gratte. Ok. J'ai déjà gagné la vie de ma maman. Il faut deux symboles pareils. Parasol, parasol, double parasol. Ça va être 2 euros, je suis sûre. 10 euros! Plus que 90 euros à me faire rembourser. Premier truc, quoi. Perdu, 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 perdu. On peut pas gagner à chaque fois. Gratter les lingots d'or, vraiment une passion. Si vous découvrez deux sommes identiques, vous remportez cette somme. 1000 euros. Ça gratte pas beaucoup ce gratte-gratte. Hein. 20 euros, 100 000, putain. 10 000, 50, 150, 10, 100. Perdu. Gratter les pierres précieuses. Pour chaque ligne, si le diamant pèse plus lourd... Oh, qui se rappelle? Faut que le diamant pèse... Et oh, je comprends pas ce jeu. Mon cerveau, il veut pas. Je comprenais jamais. À chaque fois, je croyais que j'avais gagné. Et quand j'ai analysé la situation, j'avais pas gagné. Je le savais. Je savais que j'allais me tromper. Je me trompe toujours. Les gars, j'ai pas gagné 10 euros. Si le diamant pèse plus lourd que le saphir, vous remportez le gain associé. Le diamant pèse 20 grammes. 21. Pour 1 gramme, je trouve que c'est un peu chipoté. Hein. Bref. 23, 24. Ils vont faire le coup du 1 gramme à chaque fois ou c'est comment? 8, 12. Perdu. Grattez les pièces. Si vous découvrez un symbole petite bourse, vous remportez le gain associé. Une coccinelle? Perdu. Bon, moi j'ai gagné 10 euros. Arrêtez dans les commentaires à chaque fois de mettre. T'as pas gagné 10 euros, t'as perdu 90 euros. Je sais très bien comment ça marche. Banco. Perdu. On va faire deux piles. Pile gagnante, pile perdante. Goal. Horoscope poisson. Ma maman. Allez, maman. Allez, allez, maman. Ouais! J'ai gratté la mauvaise case. Maman, tu m'as fait une fausse joie. Ça se fait pas trop, je trouve. Maman, tu me dois 2 euros. Sagittaire. Bam. Et ouais. Cette pile commence à être beaucoup trop grosse à mon goût. Cash. Un mot vraiment, je trouve, est très doux à l'oreille. Plus d'une chance sur 4 de gagner. Ça fait quand même 3 chances sur 4 de perdre. Mais ça, ils veulent pas l'écrire, tu vois. J'ai plein de peluches de grattage sur mon canapé. Vas-y là. On était parti sur une bonne lancée. Astro balance. Ma sœur. Cette grosse balance. Cette blague, putain. Ça fait 24 ans que je lui dis. Enfin non, moi j'ai que 22 ans. Ça fait 22 ans que je lui dis. Mais j'ai même pas 22 ans, j'ai 21 ans. Ça fait 21 ans que je lui dis. Je savais pas parler avant. T'apprends à parler à quel âge? 3 ans. Ça fait 18 ans que je lui dis. Solène, tu me dois 2 euros. Ah ça, c'est un de mes préférés. Putain, elle est tellement grosse qu'elle se pète la gueule. Enfin, ça, je connais pas du tout. 5 euros! Ça fait zizir! Hein. Ah! Encore 5 euros! 5 plus 5 égale 10! Ah là, ça fait très zizir ça! Ah les bâtis! Putain les bâtis! Vous pouvez arrêter à cette étape et empocher votre gain éventuel ou le remettre en jeu à l'étape 2 au risque de tout perdre. Tu crois que je vais m'arrêter là? Ça, c'est pas très gentil ça. Bah vas-y, je tente. Non, c'est pas raisonnable, Marine. T'as quand même une pile, ma foi, très conséquente de ce côté-là. Et une pile très pas beaucoup, puisqu'il y a que un seul. Moi, je dis, faut tenter, hein. Gratter pour accéder à votre jeu digital. Flasher le QR code. Le suspense est à son comble. Et je ne parle pas des combles du grenier. Attention, vous êtes sur le point de remettre en jeu le gain éventuel découvert au jeu de grattage au risque de tout perdre. Ça va, on a compris? Tu fais monter la pression comme ça. Sélectionnez les bons numéros parmi les 10 numéros proposés en évitant les 3 numéros perdants. Hein? La pression est en train de monter! Si vous sélectionnez un bon... J'arrive pas à me concentrer avec cette musique! Mon aisselle gauche ressent la pression. J'ai pas très compris. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut juste que j'appuie sur des numéros. Ah, j'ai réussi. Ah, j'ai réussi. Waouh. Plus que deux. Ah, j'ai perdu. Votre ticket est gratté, qui tout double est perdant. Vous ne pouvez prétendre à aucun lot. J'aime pas ce jeu. Il est nul. Allez, c'est bon là. Perdu, perdu, perdant, comme les autres. J'en ai marre de gratter et de perdre. Ah!
J'ai gagné 10 euros. Oh, encore 5, 15. 15 euros plus 10. 25 euros. Ça y est, la roue tourne à tourner. Perdu. Ah, 3 euros. Il faut se contenter des petites victoires dans la vie. Je suis contente. Ah, c'est quoi ma vie au juste? C'est ça ma vie? Moi j'avoue, c'est ça ma vie, c'est cool. J'ai eu la lettre Q. Q comme un cul. Un cul. Comme la lettre Q. Q. J'ai eu la lettre MHD. Vraiment, côte-côte quoi. MHD. MHD, la puissance, c'est la puissance, c'est la puissance. Champions League, puissance. J'ai perdu, ça, j'ai mis une heure sur ce putain de jeu. Bon. Oh putain, mes oreilles se sont débouchées. J'entends grave le monde qui m'entoure. Je trouve que ça commence à devenir redondant de perdre à chaque fois. Y a pas d'émotion, tu vois, c'est que du perdage. J'ai mal au bras. Je vous jure que j'ai mal au bras pour de vrai. On est habitué à force, hein. Scorpion, mon papa. Papa, je compte sur toi. Perdu. Les gars, c'est la fin. C'est l'ultime millionnaire. C'est ça qui est chiant avec un grand angle. C'est que vous voyez tout. Je peux pas cacher des trucs sur le déco, tu vois. Oh, les gars, c'est le dernier. Perdu. 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 Il reste encore 3 jeux. C'est encore possible. Il faut 2 sommes identiques. 1000, 10 000, 20. Même 20 euros, je prends. Pas de soucis. Allez, 20 euros, je dis ok. 150. 10, même 10, hein. 10, mais je suis refaite. 10, mais oui. J'ai appris à revoir mes objectifs à la baisse. 100. 1 million, bah là. Là, j'aimerais bien, par contre. Là, franchement, ça me ferait zizir. 100 000. C'est pas gentil de faire ça avec moi. Les pierres précieuses. Je le rappelle, que le diamant soit plus lourd que le saphir. C'est bien entendu. 5. Est-ce que tu veux que 5, ça soit plus lourd que quelque chose? 6. Oh. On s'y attendait pas du tout. Là, je crois, les amis. Faut se rendre à l'évidence, tu vois, à un moment donné. Elle est trop belle. Ouais, mais là par contre, là c'est un anus par contre. Ça, motif de démonétisation. J'ai perdu environ 90 balles. Ça n'arrange pas mes histoires. Dernier jeu, il faut que j'ai un petit symbole bourse d'argent. C'est encore un échec, les amis. J'ai perdu. Si on récapitule, perdant, gagnant. C'est peu. Nous avons 3 euros. Quelle tristesse! 10 euros. 10 plus 3, 13. Et là, c'était combien? 15. 15 plus 13. 28. Wow. J'ai payé 106 euros. Parce que le pélo, déjà, il a mal compté. Et que j'étais bien trop embarrassée pour discutailler avec lui. J'avais honte de ma propre personne d'acheter autant de tickets. Il y a des trucs noirs de grattage de partout. Donc déjà, je perds. Et en plus, je dois faire du ménage. Les gars, vas-y. Je vais prendre ma soeur. J'ai pas pété encore une fois. C'est la chaise. Encore un anus, oseille. Ça n'intéresse personne. Je vais lui dire que j'ai gagné combien pour que ce soit crédible. 100 000 euros. 100 000 euros. Attendez, faut que je me mette dans le personnage. Nickel. Bon, et bien voilà, un échec de plus à mettre sur ma liste. Et vous avez vu, ça y est, c'est le coussin que vous m'aviez offert dans les abonnés font mon shopping. Des beaux beers, des beaux beers, des beaux beers. Je vais encore être démonétisée, là vraiment. Ce n'est plus possible d'être démonétisée. Je viens de perdre 90 balles, choquée, très déçue. Bye.